The Return, To Bloody Night. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous me l'avez demandé plusieurs fois, même après avoir fait plusieurs vidéos dessus. Pourquoi j'ai fait une vidéo dessus? Tout simplement parce que déjà vous le voulez et je fais plaisir à ma communauté, mais aussi parce que j'aimerais faire une vidéo plus approfondie sur ce fan game qui est juste incroyable. Un bureau, on peut regarder à droite et à gauche, mais aussi derrière, car oui les amis, y'a Puppet. Du coup bah c'est parti, bon visionnage. Ah, je sens qu'on va s'amuser aujourd'hui. Je viens tout juste de rentrer dans le jeu, ça fait un bon moment que je l'ai pas lancé et apparemment j'ai gardé ma sauvegarde. Bien évidemment, si vous voulez aller revoir les vidéos sur The Return to Bloody Night que j'avais faites auparavant, n'hésitez pas. Je m'étais arrêté à jeudi, on va faire New Game. Hey Henry. William, it's good to hear your voice again. How have you been? It's been a bit stressful, to be honest, but just busy with the new animatronic project. Un nouveau projet d'animatronics. I'm excited to finally open up my own restaurant. Il est excité de les mettre en vue pour les spectateurs. La discussion devient longue, mais en gros là il est en train de discuter avec quelqu'un d'autre. Et bah du coup j'ai un nouveau job. J'en ai marre. Lundi. Waouh, quelle belle face de rat. Les amis, je pense que vous avez compris les règles du jeu. On regarde à gauche ou à droite selon bah, les animatronics qui viennent. Et s'ils viennent, bah, on ferme la porte. On peut regarder derrière s'il y a Puppet qui apparaît. Alors déjà, c'est l'une pour moi des pires versions de Puppet qui existent. Non seulement faut la chercher, mais en plus elle prévient même pas. Ou alors si je crois qu'elle fait un bruit. Et j'ai remarqué, il y a Sonic juste là. Et il y a sûrement plein de jouets que je remarque pas. Regardez là, il y a Cuphead. Et je crois que... Regardez là, il y a un Freddy qui est caché. Bref, en tout cas, on va checker les caméras. Donc, c'est la première nuit. Donc, forcément, c'est pas sûr qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent. Oh, il y a eu un bruit. Ouais, non, il y a eu aucun bruit. C'était mon imagination. Puppet Show, fun is about to start. Souvenez-vous, Fazbear Entertainment n'est pas responsable pour la perte de vos items. Oh, intéressant. Ah ouais, c'est vrai. Wesh, y'en a déjà un qui est parti, frère. Mec, sans prévenir, nuit 1. Je croyais qu'il y avait personne, moi. Ok, donc là, c'est Spring Bonnie. Donc, en l'occurrence, il devrait venir par là. C'est juste que, avant, j'aimerais bien avoir un visuel sur lui. Il s'est déjà barré. Tu vois, c'est ça le problème. Oh, ok. Ok, donc, je comprends pas c'est quoi son délire. De faire une pause de 5 minutes sur les caméras et de revenir. Est-ce qu'il y aura un code à mettre? Je me souviens pas de ça. Oh, il s'est barré. Ok, il arrive. Wow, regardez, on le voit bouger. Il respire. Wesh, un animatronics qui respire. Tu n'as pas de poumon. Comment tu respires? Lui, il respire pas. Non, lui, il fait une pause. Yo, pourquoi tu connectes pas une PlayStation et genre tu te fais pas des parties de jeux vidéo? Ça doit être ennuyant. Là, il n'y a pas de caméra sur le bureau pour voir si je fais vraiment mon travail. Donc, je peux très bien ramener une PS4. Ou une PS5, hein, en l'occurrence. Oh, il est là! Attendez, c'est lui? Oh ouais, c'est lui! Ok, donc il a vraiment sorti sa tête comme ça. Coucou! Là, les gars, on a à faire face à un problème. C'est que, en fait... Les gars... Elle est incroyable l'animation. Frère, il fait trop peur. Il est quelle heure? Il est 5h. Ok, nice. Bon bah je pense que c'est bon pour la première nuit. Sauf si on se rate avec Puppet, mais j'ai pas l'impression qu'elle va venir. Ah, regardez, je viens de comprendre l'affiche. On n'est pas responsable de vos jouets perdus. Mais en fait, les jouets perdus, ils sont là. Ok, d'accord. Oh, est-ce que Puppet ne serait pas folle amoureuse des jouets des enfants? Peut-être que c'est un délire à elle. Ça pourrait expliquer plusieurs trucs. Oh, il y a des bruits de rats, frère. Oui! Oh, ok. La première nuit, c'est souvent la plus facile. Enfin, dans des fangames, non? Yeah! Good morning! Let's go! Oh, j'avais oublié ça. Imaginez que là, il se réveille. Genre, est-ce que je suis en train de voir s'il y a des démons en lui? Ok. Je crois qu'on est bon. Ok, la nuit commence. Tuesday, alias mardi. Oh, il y aura les deux, regardez. Ah, mais je viens de capter. Ah, ok, donc en fait, lundi, on avait vu que la tête de Spring... Oh, toi, tu la fermes. Il y avait écrit mardi avec les deux têtes qu'il y a juste devant vous.
Ça veut dire que ce sera une nuit où il y aura tous les deux. Oh, je viens de capter ça, je suis très intelligent. Normalement, le générateur en bas à gauche, c'est quand je ferme les portes. Et quand je les réouvre, normalement, le générateur se remet automatiquement, mais je suis pas sûr. Là, il y a quoi, là, ici? Genre, c'est pas l'endroit où ils réparent les animatronics? Il y a des membres partout. Oh, personne n'a bougé. Il est 1h. Wesh, regardez, c'est quoi ce jouet? Ça appartenait vraiment à un bébé, ça. What the fuck? Vous avez des goûts bizarres, quand même. Wesh! Les deux ont bougé. Regardez, ils respirent. Oh, l'animation comme ça, là, quand ils bougent, c'est vraiment stylé. Pepette, es-tu là? Non? Tant mieux. Ok, on va checker où ils vont partir, même si je connais déjà où ils vont partir. Bah alors, ça bouge pas. En fait, je pense que plus tu les regardes, et moins ils bougent. Regardez là, je quitte les cams, je vérifie derrière, je reviens, il a bougé. Ah non, même pas. Ah mais vous me dites, hein, il est 5h, moi je veux bien rester ici sans rien faire, ça me dérange pas. J'aurais pas dû me retourner. J'aurais pas dû me retourner. Oh, il arrive. Il est où? Wesh. Pourquoi ils disparaissent comme ça? Wesh. C'est quoi ça? Ça, je l'ai jamais eu. Je maîtrise plus rien, les gars. Arrête de faire ça à la cam. Yo, il est où Spring Bonnie, frère? La tête de Wham qui l'a disparu. Oh! Il reste plus que toi. Frère, je sais que t'es là, arrête de faire semblant. Il est sur le côté comme ça, là. What? Oui! Oh yes! Les gars, c'est une dinguerie. Comment tu t'attends à un danger et il vient pas, c'est tellement frustrant. Wesh, regardez-le. Pourquoi c'est à moi de faire ça? Bon, bien évidemment, il n'y a aucun démon, enfin, d'après mon petit objet. Maintenant, je me pose une question. Est-ce que dans Fredbear et dans Spring Bonnie, là, les deux qu'on a dans ce fangame, ont une âme d'enfant? Parce que, techniquement, si t'es un enfant, pourquoi tu te barres pas, en fait? Ok, il m'a demandé de pas oublier de prendre une pause. Je peux comprendre. Ok, je comprends un peu mieux l'histoire. En fait, je ne suis pas un gardien de nuit. Enfin, si, mais non. En fait, c'est un peu compliqué. En fait, je suis une personne qui vient voir s'il y a des phénomènes... Wesh. C'est qui, lui? Ah, ok, d'accord. Donc là, il y aura Puppet, les deux animatroniques, c'est lui. What the fuck? Comme je disais, je suis pas totalement un gardien de nuit. Si je suis là, c'est tout simplement pour voir s'il y a des phénomènes paranormaux. Ou paranormaux. Wesh, ils ont déjà bougé. Ça commence. Regardez, il y a des hallucinations un peu partout. What the fuck? Vu la cadence à laquelle ils bougent, je pense qu'on est dans la chiasse. Ok, ils sont en train de bouger extrêmement rapidement. Je regarde quand même parce que je sais pas ce qu'il faut faire avec le petit du milieu. On va l'appeler George. Voilà, comme ça c'est fait. Oh, Fredbear, regardez, on le voit maintenant. Tout à l'heure, on l'a pas vu. Enfin, je crois. Ah oui, et on l'entend arriver parce qu'il fait un bruit de reniflement. Comme s'il voulait me sniffer, vous allez voir. Bon, du coup, je sais pas si on va avoir le temps d'entendre. Mais c'est pas grave. Oh! Il a bougé, Spring Bonnie. Il est allé où, Spring Bonnie? Ah, il est là! Ok, oh! Vous l'entendez ou pas? Ça fait un bruit de... Oh! Là aussi, vous l'avez entendu? Hop là, ça dégage. Et, est-ce qu'il y a Puppet? What the fuck? Ok. On reprend nos esprits. Ok. Tac. Et tac. Purée, elle a fait aucun bruit, Puppet. C'est ça mon problème avec elle. Et en plus, il faut la chercher. Faut chercher son visage. Pourquoi c'est tout noir? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça te... Il est déjà là, Fredbear. Mais wesh. Est-ce que je peux vivre un peu? Pourquoi il fait tout noir? C'est qui a mis sa grosse tête devant la caméra, là? J'entends des bruits de respiration. Oh, Fredbear arrive. Oh, frère, faut prévenir. Ok. Oh, yes, c'est bon.
Ok, j'ai le visuel sur Spring Bonnie et Fredbear. Où il est Fredbear? Ok, c'est bon. On recheck. Ma lampe de poche, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive, mais faut qu'elle arrête de clignoter. On va tryharder, moi je vous le dis. Hein. Wesh! Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est qui lui? Mon cœur, il s'est éteint, frère. C'est une dinguerie d'être aussi rapide. J'ai entendu qu'il arrivait. Pourquoi je suis pas allé fermer? Oh là là, non! Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Moi franchement j'ai kiffé de ouf, franchement ce fan game est juste magnifique. Il y a plusieurs animatronics qu'ils ont eux-mêmes fait et ça c'est une dinguerie. Dites-moi si vous voulez toutes les nuits, comme ça je fais tous les jours, même samedi, même si ça me semble très compliqué. J'aimerais également refaire un gameplay sur Glitched Attraction. C'est un fan game que j'ai vraiment kiffé et en vrai de vrai, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont même pas vu le gameplay alors que c'est un fan game masterclass. Du coup, dites-moi dans les commentaires. Bref, en tout cas les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer, commenter, partager, mettre la cloche d'alerte pour ne rater aucune de mes vidéos. Ce serait dommage. Sur ce, je vous laisse sur ça. C'était le capitaine. Ciao !